Bonjour, donc c'est le tour de l'allumette avec la fourchette, la cuillère, certainement connue d'autres ou pas du tout. Donc le but consiste à demander à une personne de faire tenir l'allumette en équilibre comme ça. Vous allez me dire, oh c'est impossible ou quoi. Alors les gens vont essayer de la mettre comme ça ou comme ça, mais vous leur précisez bien, attention, l'allumette est un volume et il faut que ce soit face du dessous et seulement une arête du carré qui soit en contact avec la bouteille. Alors là, les gens un peu intelligents, ils vont se dire, mais attends, c'est impossible ou quoi? Alors à ce moment-là qu'ils disent ça, vous leur dites en plus, ah ben si c'est pas possible, mettez en plus une fourchette et une cuillère en bout de l'allumette qui tient comme ceci. Alors les mecs aberrés, ils vont vous dire, ah oh oui, mais c'est du n'importe quoi ou quoi? Vas-y, tiens-moi ça. Donc voilà. Donc vous les laissez mariner dans leur galère pendant 5-10 minutes. Et le but consiste à faire comme ça. Vous faites entrer la fourchette dans la cuillère. Vous prenez le bout rouge qui doit être au-dessus, comme ça. Voilà, on arrive à faire voilà, comme une petite flèche, plus ou moins. Donc le poids est réparti par la fourchette et la cuillère. Et donc voilà, ça tient comme par magie. Alors, regardez bien. Il n'y a pas de trucage. On va faire bouger un peu ça. Voilà. Alors, plus vous reculez le poids, donc la fourchette et la cuillère, plus vous le reculez, plus l'allumette sera inclinée. Et plus vous la rapprochez du bord, plus l'allumette sera debout. Donc, démonstration. Hop, je vais tourner un peu. Voilà que vous voyez bien. Si je recule à fond. Alors là, on n'est plus en contact avec l'arête. Soit la lumière, Alice, merci. Voilà, là, elle est parfaitement perpendiculaire à la bouteille, par exemple. Voilà, un petit tour sympa à faire en famille ou pour épater copains et copines, peu importe. Voilà.